Salut à tous, c'est Ken et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tales of Symphonia Remaster. On s'était arrêté après avoir enfin récupéré un groupe complet, après que Rial nous ait rejoint. On vient de perdre Précéa, après qu'on soit arrivé à Ozet, son village natal. Voilà. Ah tiens, une affiche de recherche pour moi. Non. Il n'était pas avec Précéa juste avant. Avez-vous des liens avec cette enfant maudite? Croyez-moi, il vaut mieux que vous restiez. Il ne vaut mieux pas que vous restiez avec elle. Waf! Là, il y a encore à nouveau du stuff et je serai dégoûté. Une cuirasse, une protection elfique. J'ai déjà deux armures de soie, ça pourrait être bien. Deux robes de sorcière, ça pourrait être bien. Deux armées, ça pourrait être bien. Deux jolis rubans. Putain, il me faut tant d'argent. Bracelet du bonheur sur lequel est gravé un ange. Mais à quoi il sert? Améliore la défense. Et encore ce satané charme. Bon après on a plein de choses à vendre qui valent plus ou moins cher. Hein. Notamment, j'allais dire les billes fines, mais ça vaut pas si cher que ça. Peau de bête, du tissu magique. En amélioration, il propose toujours la même chose. Ah, mais je peux faire les jolies mitaines. Enfin, les gants, soit plutôt. Équipé. On perd de la chance, je sais pas si c'est si worse pour un de défense. À mon avis, ça vaut pas le coup. Hein. Clairement pas. Tant pis. Du coup, Précéa, où est-ce qu'elle est partie, cette gamine? Je peux me faire un peu de thunes. Oui. Quoi, la vieille? Une dorade. Accepte. C'est ici qu'est né le pontife? What? L'artisanat de Zet est célèbre, mais dernièrement il y a peu de clients. D'accord. Du coup, ta baraque, elle sert à quoi? À rien. Même pas à récupérer un coffre, que dalle. Ça sert juste à nous donner une information que l'artisanat du village est célèbre, ok. Les demi-elfes et une enfant de maudite, pourquoi est-ce que les gens comme ça sont venus ici? Contre le fait de vivre tranquillement à la campagne? Chimère nature. Elle est partie où, Précéa, du coup? T'as vu d'autres chemins? La discrimination contre les demi-elfes est forte dans ce village. C'est sûr, moi non plus, je n'aime pas les demi-elfes, mais quand on en arrive à ce point, ça me rend malade. Donc fier d'être raciste, mais pas trop raciste quand même. Je comprends, je comprends.
J'ai loupé un chemin? Oui, j'ai loupé un chemin. Tascarimasu yo. Oya, achira mo okyakusama desu ka na? Qui va là? Hakobiya. Le porteur? Oh, Hakobiya-san desu ka. Prisea, kaname no mon o tsukaranai to. Shigoto. Sayonara. Kyokai no gishiki ni tsukau shinboku wa Prisea-san ni shika tori ni ikenai n desu yo. Kanojo ga yatto modotte kite kurete, kochira mo odasukari desu. Genre, il ne reconnaît pas lui. Ano otoko, yappari half elf da wa. Aitsu ga? Soueba aitsu, mae ni Merdokyo de atta yo na. Nandaka kimochi warui hito datta ne. Doukan, are de ore sama to onaji otoko toshite umareta to omou to. Kawaisou demo aru kedo na. C'est bien vrai, ça. Il y a de bonnes idées dans le jeu, mais c'est dommage que ça soit si mal exécuté. Ça sent la mort. あのベッドの中の人間がどうなっているのか、プレセアには分からないのね。そんな。プレセア、一緒に来ないのか。仕事しないといけないから。プレセアは置いていきましょう。 こんなところにか。今のままではまた彼女が暴れるだけよ。私たちだけでアルテスタのところへ行って、要の門の修理について聞いてきましょう。そうだな。いせ、うん、スケレット。 プレセアの客とかいう不気味なやつ。あいつメルトキオにもいたよね。そうだな。なんだか嫌な予感がする。あいつからは血の匂いを感じるね。アルテスタのところへ急ぎましょう。プレセアをあの男のそばに置いておくのは危険だわ。Oui, faisons ça. On te laisse ici, Presea. Hein. Va pas disparaître juste parce qu'on est parti, hein. Sois raisonnable, hein. J'avoue que Presea, c'est peut-être un des personnages avec le développement que je préfère le plus. Tous les autres, j'ai jamais eu grosse affinité avec eux. Mais Presea, je l'ai toujours trouvé très cool. Et ça recommence. Colette, Daijabu. Ah oui, j'ai trébuché. Quelle maladroite. T'es pas fait mal au moins. Non, ça va, ça va. Je cache encore des choses à mes amis, mais ça va. Et sinon, ça serait trop simple, hein. C'est rien que je sorte par là. À moins que ça soit la maison d'Altessa. Parfait.
Bon, tu peux passer à côté. Ah, mais oui, Altessa, c'est pas genre la vieille naine. Un vieux souvenir là qui vient de repop. Avec un marteau ou je sais pas quoi. Confond peut-être. Nous sommes des amis de Précia. Le truc, il a des androïdes chez lui, quoi. Ah non, c'est un homme, autant pour moi. Nanja. サイバックのケイトから教えてもらってプレセアのことで来ました。帰れ。あの子のことはもうたくさんじゃ。出て行ってくれ。なんなんだよ。すみません。マスターはプレセアさんに関わるのを。嫌がっておられるのです。そんな。じゃあ、プレセアが死んじゃってもいいっていうの？そうではないのです。マスターは後悔しているのです。だったらプレセアを助けてください。要の門さえどうにかすれば助かるんでしょ？それが本当に彼女のためになるのか私にはわからないのですが。Et oui, elle se rendrait compte que ses parents, son père ou sa mère est mort. Elle retrouvait ses émotions, donc elle serait triste, alors que là pour le moment elle souffre pas, mais bon. Pas parce qu'elle souffre pas extérieurement qu'elle souffre pas à l'intérieur. どうして？死ぬと分かっていて。あんなむごい暮らしまでしてて、それがいいことなもんか。そこまでおっしゃるのなら、抑制鉱石を探すといいです。プレセアの要の門は、抑制鉱石じゃないのか。はい、あれは。タマーサ、何をしている。奴らを追い返せ。すみません。戻らないと。また今度来てください。アルテスタ様を説得してみますから。OK。抑制鉱石ってどこにあるの？ Il nous faut passer par les mines。アルタミラからユミルの森へ向けて斜めに続く一連の鉱山地帯で取れると聞いた。もしもプレセアに要の門を作ってやるのなら協力させてほしい。私はお前たちを鉱山に案内できる。あんた、プレセアとどういう関係なんだ？関係はない。Je crois que c'est un ami de sa famille ou de sa mère ou de son père, enfin bref. Genre un oncle ou un truc du genre, mais je suis pas sûr. Maïsa, imamade datte, bezni fushin na koto wa nakattanda. Kono mama. Yokusei kouseki wa Exphia kouzan no hikakutek hyousou de saikutsu sareru. Watashi ga shitteiru kouzan wa.ここから海を越えた南の大陸だ。アルタミラの方って言ってたな。いいな、アルタミラ。ついでにアルタミラに寄ろうぜ。あんなチャラチャラしたリゾートに寄り道してる暇はないよ。海、また海なのね。よし、じゃあ鉱山に向かおうぜ。そうだね、急ごう。ところで、ずっと気になってたんだけど、あんたと俺、どっかで会ったことないかな。
虫かよ、冷てえな。Pourquoi j'étais sûr que c'était une petite vieille ? Au final, non, c'est un nain. Est-ce que Tabata est un ange ? なあ、さっきのタバサって人、ちょっと変わってたな。そうかな。なんていうか、あ、ほら、コレットが電子化して正気じゃなかった頃に、ちょっと似てるような感じなんだよ。呼吸をしていないからではないか。え、息をしてなかったってことですか？本当かよ。そのようだったな。まあ、よほど鍛錬していて、静かに息をしているのかもしれんが。まさか、あのタバサも天使なのかな。悪い人には感じられなかったけど。油断は禁物だ。Mais non, c'est pas un ange. Réfléchissez un peu, les mioches. On revient après ça de Vilpa. De toute façon, personne ne t'aime ici, donc. Est-ce qu'on fait des achats ? C'était où ? C'était là ? Si on veut juste équiper les personnages qu'on utilise, ça on va pas l'utiliser, on en a déjà 3000, 5500 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3000 5 3
3 de défense, 4 en intelligence, et ça c'est mieux en fait. J'espère qu'elle ait de la chance pour quand elle essaye de voler. Plus 15 de précision quand même. Plus 10 de défense. C'est pas n'importe quoi ces bottes. Et pour elle c'est que plus 7. Bon ça c'est bien sur elle. On a plus d'argent, mais on va dire que c'est pas grave. En même temps, on vient d'enchaîner plusieurs villes. Utilise ta cervelle. Ex-fia kozan, ne? Nandai? Usan-ksa-souna koe o dashite. Omae datte shitteru deshou yo. アルタミラの方にあるエクスフィア鉱山といえばトイズバレー鉱山のことだろ。ああ、隣のモーリアと行動でつながってるっていうあれかい？モーリア？だとしたらあの付近の山の持ち主が誰かを考えてみる。レザレのカンパニーだろうね。でもそれがどうしたんだい？チッ、シーナが立派なのは胸だけか。あ、いや！殴るよ！殴ってから言うなよもう。Pardon. Pas pourquoi ce genre de choses me fait marrer, mais ça me fait marrer. Et merde. Level up. Comme ça, on va pouvoir reprendre le bateau et ne rien comprendre de ce qu'on fait. Putain, je me dis que on peut aussi aller là. Est-ce que ça a un intérêt ? Dire qu'Altessa. Taikoji-san to Altessa-san te dotchi ga ii shokunin nano kana? Shiru ka yo sonna koto. Boku ga mita tokoro gijitsu teki ni wa Altessa-san no ga ue da to mou na. Shokunin ni daiji nano wa gijutsu ja nakute kokoro da. Oyaji dattara komatteru hito o hotte oku mon ka? Muki natteru. Yappari oyako da ne. Ah, le temple de la foudre. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Occupons-nous de ça plus tard, nous n'avons pas encore trouvé les ptéroplans.
n'a pas le droit. Purifier, mais non. Pas. Donc, temple de la foudre, c'est au nord. Ah, mais il y a quand même un truc à faire ici. Je pensais que Tessala serait bien plus différent que ça. Comment ça? Je pense que personne n'aurait faim. Ils porteraient tous de beaux habits et qu'ils auraient toujours le sourire. Ils sont beaux, leurs habits. Mais il y a plein de gens qui ont l'air plus sales que nous. Croire que Tessala n'est pas un monde parfait après tout. Oui, tu as raison. Il y a des humains, des elfes, des demi-elfes, et tout n'est pas parfait. Ça doit être ça, la réalité. Je vais travailler plus dur. Hein? Réalité ou pas, je veux que le monde soit plus heureux, alors je vais travailler dur. Oui, faisons ça ensemble. Ouais, j'ai l'impression que ça débloque rien du tout à chaque fois quand je fais ces trucs-là. Peut-être parce que ça débloque rien du tout. Je crois qu'on commence à avoir trop de puissance. Oh, c'est temps de chargement aussi quand t'es sur la map monde, mais quelle horreur hein. Est-ce que j'ai moyen... Oh putain que je dé... Oh, je suis censé aller... Je suis censé aller où là exactement? Mel Tokyo? À la basta? Mal du pays, mais tu m'étonnes, hein. Je sais que c'est Altesta. Donc, tu es seul? Peut-être que tu es triste. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je pense que tu es un peu plus de temps. Lloyd est en homesick. Ah, c'est incontrôlable ce truc, vraiment. Et cet endroit. Est-ce là où je suis censé aller? Je pense pas, hein. Ça ressemble à une source chaude. Bienvenue à la maison spirituelle. Oh, l'élu, nous avons reçu une demande officielle de son éminence, le pontife, pour capturer l'élu. Je vois, et donc? Nous servons la déesse Martel et l'élu, nous ne vous avons pas vu. Excellent, je savais qu'un membre de l'église pourrait comprendre. Vous êtes là pour une thérapie dans les sources chaudes? Non, je leur fais faire une petite visite à mes amis. Je vois, c'est tant mieux, parce que la source chaude est actuellement en travaux et les bains sont inutilisables. On est plus tard si vous souhaitez en profiter. Oh, quel dommage. Miaou! Quel est cet endroit? $500 mais jamais de la vie. Il m'a pris pour un pigeon, mamie. Je
Je ne suis pas un pigeon, je ne recoule pas. Y a un truc sinon à faire ici ou... C'est juste pour le fun. A l'air d'être juste pour le fun. C'est un peu le problème, c'est que je sais pas où je suis censé aller. Genre en bas, vers les petites îles. Immaniable ce truc, hein. Vraiment le non-fun absolu, hein. Il a fait pop un petit ou il était déjà là depuis le début? On a l'air de bien craindre la foudre en tout cas. Il prenait super cher. Tu cuisines vraiment bien, hein. Ah merci. Ce genre de compliment donne envie de cuisiner. Tu sais, Génis cuisine très bien lui aussi. À croire que les hommes sont meilleurs cuisiniers, hein. Maintenant que tu le dis, la plupart des chefs sont des hommes. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec la force. La cuisine, c'est beaucoup de travail, hein. Si c'est le cas, alors, on dit que les femmes sont plus adaptées au combat. Quoi? Vraiment? C'est ce que j'ai entendu. Il paraît que c'est parce que les femmes n'ont pas peur du sang. Vous savez pas, les femmes font peur, hein. Mais je dois avouer que j'aime pas trop la vue du sang. Oui. Il ne faut pas oublier que certaines femmes de notre groupe sont plus fortes que nous. Nous devons travailler dur pour ne pas être des fardeaux. Oui, tu as raison. Travaillons dur ensemble. Ah, bon bah, c'était rapide. Je cherche les pierres de cette lieu, hein, pour ceux qui se demandent. Parce que c'est son truc de statue qu'elle avait, Colette, mais ça avait pas l'air cool. Colette. Nous, on veut même pas aller là, là, c'est une... encore un truc à la con. Et là, ça passe pas, on est... Oui, ça passe. Oh la pétrification. Je suis même pas sûr qu'on ait un truc contre la pétrification. Oui, ça, ça marche. Robo item! Raging Mist!
Pas grave, ça fait de l'XP. Non, mais il y a forcément un truc, sinon on pourrait pas y aller. Très efficace cet endroit en tout cas. Sac. Ou ça pour un cul de sac. Non, mais il doit y avoir un coffre caché, bien sûr. Il y a de la foudre en fait quand on met le dernier coup. Safran rouge. C'est vrai que j'ai des plantes aussi à utiliser, faut que je les utilise. Oui, j'ai tendance à tout mettre sur le personnage de base. Quoi ? C'est lui que je vais utiliser le plus, c'est lui que je veux pas qu'il meure, c'est plein de raisons. On voit rien. Super, mais on voit rien. Je suis empoisonné. Pas grave. Ah, il me... Oh, mais il y a un truc là. Pas du tout par là où je suis rentré. Ouah, alors c'est ça la mine condamnée. On dirait qu'il doit y avoir un fantôme ou deux. Vous ne trouvez pas? Tu veux pas rester tranquille une seconde? Eh, c'est quoi ton problème? Ne t'énerve pas, Shina. Je le sens mal. Qu'est-ce qu'il y a, Régal? Le système de surveillance de la porte est hors de contrôle. Quelqu'un a dû l'endommager en essayant de passer de force. On n'a qu'à le détruire complètement. J'ai l'œil tout craché, au moins c'est facile à comprendre. Oui, ça me convient aussi.
si Lloyd le dit, alors ça me va. Vous êtes sûr, ne venez pas vous plaindre si ça se passe mal, hein. Juré. Ah. S'occuper des âmes d'abord. Que je tape et je sais pas si ça a beaucoup de PV. Ah bah. Nique la porte. Mithril. Cycle magique. Eh, bon travail tout le monde. Maintenant, il faut récupérer le je ne sais plus comment ça s'appelle. Le minerai inhibiteur. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Ça va, ceux qui sont violents, tous. T'es pas trop déçu, on a cassé ta belle porte. C'est vraiment là où je suis arrivé, d'accord. J'ai trouvé de la sauge. Pour faire des bons petits plats. Moi qui pensais qu'on avait été TP parce qu'on n'était pas arrivé du bon côté, mais si a priori on est bien allé là où il fallait aller. Lui il s'en fiche un peu de la foudre en vrai. C'est quoi ce truc difforme? Pour ça je sais ce que c'est. この鉱山の機械は随分頑丈なのね。ここはもともと古代の採掘場だ。機械もその当時のものを使っている。なんだと？古代の遺産を保存するどころか浪費してるというのか。まあそのようなものだが。冒涜だ。こんなことが許されるわけがない。責任者を出せ、責任者を。すまん。
C'est lui le responsable. Pardon, c'est pas encore. Allez, faut mourir. Des billes, des crocs de bête, du bœuf. Oh, je sens que j'ai pas aimé ce donjon. Ça fait bien ce que je pense que ça fait, ça. Ouais. Je crois qu'on pourrait sauter par là. Oh, ce rocher nous en empêche. C'est vrai. Les machines encore en vie. Comment ça, en vie? この鉱山はオートメーション化されている。当然だ。へえ、よくわからないけど便利なんだな。分解したい。ってのはほっといて。抑制鉱石はどこにあるんだ。 抑制鉱石の坑道はこの先だ。そこにあるリフトに乗れば連れて行ってくれるはずだ。 Me dis pas qu'elle est repartie, cette conne. J'aurais peut-être voulu aller à droite d'abord. Oh, c'est pas grave. On va dire que c'est pas ce qu'on voulait. Oula! J'ai cru voir un gros minet. Oh la paralysie! Oh la paralysie! Oh, les altérations de statut, oh les pires trucs du jeu. Oh, quel plaisir vraiment. Fait de la foudre sur un golem, ça ne devrait pas lui faire grand chose. Il fait plus mal avec des auto-attaques, hein. C'est facile, c'est vrai. Bien dit, Coletto. Et d'où j'ai pu le refaire juste derrière? Un truc qui me permet de le recharger automatiquement? Parce que le golem est un ennemi qui recharge beaucoup la jauge. Bah ça voit. Fiole défensive, je l'ai mixte. Oh la gemme mémorielle, alors que je l'ai pas trouvé dans le donjon d'avant. MDR. Zut, il y a une porte ici aussi. Du calme, le minerai inhibiteur n'est pas par là. Oh, tu sais ça? J'ai travaillé dans cette mine avant. Je vois, alors continuons. Tu as travaillé dans une mine. Ouais, c'est ça. Zelos? Ah, rien, rien, je me parlais à moi-même. Bon, allez, faut pas traîner, Larine. Et dans ma jolie Presea, Presea-chan.
Parfait, je prends l'ascenseur. Il a compris la véritable identité de Régal. Il a déjà rencontré. Alors, le dynamisme du jeu, waouh, vraiment meilleur à Tales of Ever. Hein. Non, c'est con. On s'ennuie presque autant dans les combats de Zestiria en difficulté maximale. Mais juste parce que les ennemis sont des AKP. Je devrais les push-out ces mobs quoi. Après tu vas me dire il n'y aurait pas de combat mais en même temps là on se fait chier donc. Les combats sont pas intéressants non plus. En tout cas, j'aime bien les mobs, ils sont marrants. Des billes fines. Un sabre des sables. Pour lui. Oh. Vous en avez un beau sabre. Une rapière sacrée. Deux crocs de bête. Et du coup, c'est toujours pour monsieur ou c'est pour nous? Rapière sacrée. Juste une augmentation des stocks. En vrai, je trouve qu'on trouve... Encore? Et s'il fait maintenant? Et si on voit? Attends. L'anneau du sorcier a été utilisé pour faire sauter ce rocher. Fais attention en l'utilisant. Le faire sauter, comment? Lorsque tu utilises l'anneau du sorcier, une boule de mana condensée se forme. 3 secondes plus tard, la boule de mana explose. Tu seras pris dans l'explosion si on est à côté à ce moment-là. D'accord, je vais être prudent en l'utilisant. C'est une bombe, d'accord. Non. Je peux pas souvenir qu'il faisait ça l'anneau mais pourquoi pas. Eh mais du coup il fait plus la foudre. J'aimais bien la foudre je crois. J'avais l'impression que ça faisait des effets de plus alors que là j'ai pas l'impression. Level up! L'anneau qui fait boum. Cette bombe est faite de la mana. Ah, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. C'est bien. Je
Explosion! Fireball, Est-ce qu'il faut que je le fasse sauter en haut ou est-ce qu'il faut que je le fasse d'en bas? On va dire que c'est par là. On doit pouvoir ouvrir la porte aussi avec Damien. Oups. Mais bien la foudre que ça faisait. Après techniquement là j'ai plus de percées donc il devrait y avoir aussi des avantages. Eh mais par contre, hein, faut que je rechange l'anneau si je veux, aller de l'autre côté. À moins que je puisse faire péter la porte. J'aurais pu sortir, rentrer aussi, je crois que ça fonctionne assez bien. Oh, y a pas moyen de faire péter ça aussi. Non. Par contre, à tous les coups, ça veut dire qu'il faut que je descende, que je remonte là-haut. Si j'ai à nouveau besoin de l'anneau, ça veut dire qu'il faudra que je refasse le tour, que je descende, que j'aille chercher le truc pour rechercher la bombe. Et oui, tout à fait. Oh, il y a un énorme rocher ici aussi. Faisons le sauter comme le précédent. Ouais, faisons ça. Soft lock. Non, c'est bon. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Les ascenseurs et les plateformes qui bougent toutes seules. Mon pic gameplay. Hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah,
pas souvenir d'un truc comme ça dans le 2 aussi. J'ai souvenir d'avoir fait péter des rochers. Mais pas qu'il y ait des ascenseurs et des plateformes qui bougent comme ça. Après, de manière globale, il y a moins de donjons aussi, je crois, dans le 2. Plus ça rame. Globalement, le 2 a corrigé pas mal de défauts du 1, de mon point de vue. C'est globalement ce qu'on fait le 1 en premier, même pas le 2, mais... Tellement de défauts dans le 1. Bonsoir N51 Kelzad, bienvenue. Pas du romarin. Bienvenue sur ce stream à moitié découverte, à moitié. À moitié supplice. Ça va, ça va. Ça va bien. Qu'est-ce que je voulais voir? Choper des gants. Pas pour elle. Peut-être pas des gants. Et cette zone rame pour je ne sais quelle raison, mais c'est un peu chiant. Ah non, c'est des grèves. Au régal, bien sûr. Même si on l'utilisera sûrement jamais. On a le droit à quoi par ici. Déjà on va tout faire péter. On est un peu terroriste. Sur les bords. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, j'ai l'impression que c'est un très mauvais Oh bon, soi. Il y a de la chance dessus, donc c'est pour elle. Bah non, on peut pas le mettre. Ouais, mais moins 20 d'agilité. Après l'agilité, elle s'en fiche un peu, elle, non? Quand même beaucoup de défense. Mais c'est un PNJ! C'est quoi ce machin? Hé, hey, bande de naze! Ouais, il parle! Bien sûr que je parle, fais gaffe à ce que tu dis, toi! Il est pas très poli. Eh, je suis à la recherche de potions à manger. À manger? Tu es sûr que tu parles bien de potions? Eh, c'est un truc réservé aux adultes et qui les fait se sentir bien. J'ai l'air de parler de potions. Vous en avez, les nazes? Genre une potion de Palma? C'est tout, c'est ça la potion. Eh, bien joué, les nazes. Ouah, il a même mangé la bouteille. Ça a pas de goût, ce truc. Pour ça que j'ai voyagé tout ce temps, trop nul. Je rentre chez moi, à plus. D'accord. Mais c'était quoi ce truc à la fin? J'avoue, c'était bizarre. Hop. Ça c'est gratuit.
Tellement impoli le Kenji. Ah, je crois qu'il avait pas que ça qu'à faire. Un peu ça. Je crois que la question elle a vite répondu. J'arrive pas à savoir si cette arme fait plus de dégâts réellement que l'arme de foudre. Normalement oui, mais j'ai l'impression que l'arme de foudre était plus efficace. Je sais pas si l'élément a vraiment un important. Globalement, en général, c'est plus les stats qui importent que la description de bois. De toute façon, on les tue de la même façon, donc on s'en fiche un peu. Ok, on a... Ouh! Ça, c'est des mobs durs, normalement. Vu combien ça a fait ce truc, mais... Colette, dis-moi tout. Moi tout. Et bien sûr, il a fui. Quel dommage. Faire 255 attaques avant qu'il disparaisse, c'est chaud. Ah quoi ça? Trouver un Aubert. Jean-Louis Aubert. Oui. Faut que j'active les trois. Avec deux. Run. C'était moins une, qu'est-ce que c'était? Désolé, j'avais oublié. C'est un piège pour arrêter les intrus. Concentre-toi sur ce que tu fais, bordel. Il y a un interrupteur sur les murs d'en face. Si tu appuies dessus, les rochers devraient arrêter de tomber. Décidément, pensez beaucoup. Sur cet endroit. Et du coup, en bas, il y a des coffres. Est-ce que je peux lui faire 255 attaques en... je sais pas, 30 secondes? Même pas si c'est possible en vrai. Une cape foudroyante. Ah, réduit les dégâts de foudre à devant. Encore un truc d'agilité. Pourquoi pas? En vrai, la meilleure.
La meilleure défense, ça doit être sur l'Aileuse. Si l'Aileuse meurt, on est dans la merde. Bon, faut aussi qu'il y ait du mana, mais ça, c'est une autre question. C'est pas raisonnable par contre, hein. La vidéo qui commence à être beaucoup trop longue. Super bille, j'en avais besoin de ça pour améliorer un truc. Ah, t'es bien baisé, hein. Bah moi aussi, tiens. Aïe. Ouah, c'est quoi ce truc qui tourne? C'est un Naplusa Bakula. Tu veux dire un... grand professeur Naplusa? Oui, c'est un objet qui fait... fait de mana concentré sous forme physique. Les attaques normales ne lui font rien. Ça peut pas passer alors. Désolé, mais si on pouvait lui donner un grand coup... Un grand coup, hein. Aïe. Mais arrête! Ça, je le déteste. Non, on est trop loin, là. Ça, c'est fait de mana, donc normalement, ça devrait le péter. C'est dalle. Ça lui fait que dalle, hein. Ah, faut l'attirer et lui faire prendre la bouboule. J'en ai marre. Truc qui t'attire à des kilomètres à la ronde alors que t'es censé le... Et bim. Il m'a fait tellement mal, le con. ロイド、飽きちゃったんでしょ。飽きた、だと。そんなことねえよ。早く抑制鉱石を探さないとな。当然だ。プレセアを早く元に戻してやらねば。分かってるよ。 Il doit avoir un TDI, Lloyd. Hein. Ah oui, j'ai pris cher, mais sur tout le monde, quoi. Technique. Merde, le jeu qui a décidé de me faire utiliser tout mon mana. Je peux aussi utiliser des gelées de pommes, mais c'est plus cher. Qui est le pervers qui a designé ce mob, quoi? On va faire une boule, et dans la boule, il y aura un œil et une langue. Pardon? Un œil et une langue dans une boule? Tout à fait, oui. Mais oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut lui voler des trucs?
Ah mais j'avais mieux que Chapardeur depuis le temps. Je vais rendre du mana. De toute façon, il va s'enfuir donc juste régénère un petit truc. Voilà, barre-toi. Je crois qu'il ait réussi à voler des trucs. J'aurais pas dit. Bon les gemmes ex, va falloir qu'on s'en occupe, hein. On commence à en avoir une bonne quantité. La zone d'extraction du minerai inhibiteur. C'est lequel le minerai inhibiteur? Cherchons dans cette zone. Il doit en rester dans les caisses en bois. Ah la vache, j'ai pas envie d'inspecter toutes les caisses. Là qu'elle est faire sauter. Je suis d'accord. Bien plus simple. Ouh, double golem. Ça a l'air pas mal. T'as aussi la garde qui est pas réactive pour un sou quoi. Je l'ai mixte. Je l'ai fait tout péter. Et c'est juste ça, d'accord, il n'y a que ça dans la zone. Pardon ? En fait, à moins d'être dessus, tu prends zéro dégâts, quoi. Du minerai inhibiteur. C'est le minerai inhibiteur. On a réussi, Lloyd. On va pouvoir sauver Presea. Oui, il faut juste que je prépare le tout. Combien de temps ça va prendre? Pour être honnête, il n'y a qu'un nain qui puisse le faire bien. Et si je grave directement le sortilège là-dedans, je crois que ça pourrait servir de certi-clé. Si j'ai raison, je devrais pouvoir le faire tout de suite. Attendez juste un petit peu. Je crois que ça fera l'affaire. Une fois que Presea sera redevenu normal, on demandera à papa ou à Altessa de lui en fabriquer un vrai. Comprends, alors retournons-y. Je ne supporte pas l'idée que Presea soit dans cette maison qui empeste l'odeur de la mort. Oui. On va quand même tout péter des fois que... Il y a un coffre caché ? Mise-toi le vieux. Même pas comment j'ai réussi à faire un combo de 30 la dernière fois. Tellement les combos sont chiants dans le jeu. En même temps, il n'y a pas les combos en l'air, donc forcément. C'est non. Allez, ciao les nazes! Faut que je me souvienne du chemin qu'on a pris.
En vrai, c'était que ça. Ouais. Non, mais comme ça, on fait tout dans cette vidéo et c'est pas si mal. Enfin, tout le donjon, parce que sinon, on s'est arrêté en. Au début, et j'étais pas trop fan de l'idée. Re-cinématique. À quoi bon, il n'y a pas d'exfer ici non plus. Varley. Régal, alors c'est toi qui as détruit le système de surveillance dehors. Qui c'est celui-là? C'est Varley, le receleur d'exfer. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi est-ce que le pontife t'a libéré? Ce n'est pas ce qui était convenu. Ah, 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 tu croyais vraiment que le pontife allait tenir sa promesse à un meurtrier? Toi, tu as oublié ta promesse que de nous ramener Colette, et au lieu de ça, tu as rejoint leur groupe. Silence, si le pontife ne tient pas sa promesse, alors je te punirai moi-même. Ah, dans tes rêves, je pars d'ici. Régal, qui est cet homme? Il t'a traité de meurtrier? Je suis prisonnier et je purge une peine pour homicide volontaire. Je ne vous en voudrais pas si vous me jugez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait une excuse que de m'expliquer. J'ai commis un crime. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Mes agissements ont causé la mort de plein de gens. Je ne sais pas ce que tu as fait et ton crime ne s'effacera pas. Mais quand tu souffres, tu as au moins le droit de le dire. Je sais pas comment l'expliquer correctement, mais je crois que la déesse est dans notre cœur à tous. Donc je crois que la déesse porte aussi le poids de tes péchés. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous raconter cette histoire. Je m'excuse. Bah écoute, hein, si tu veux pas le dire, c'est pas moi qui vais te juger. Hein. Je suis le premier à dire que si je devais, un jour je me ferais justice moi-même, donc... すまないな 罪人と旅をするのは辛かろう しばし我慢してほしい プレセアをエクスフィアの呪縛から解き放つまでは 僕は 僕も 人殺しだ どうしたのだ 身を守るために たくさんの人を傷つけてきた あんたがやったことが どんなことかは知らないけど でも あんたが人殺しだからここから出ていけとは言わないよ。そうか。みんな同じだから。すまないな。Le pauvre, c'est là. 僕はあんたのこと好きじゃないからね。 Oh, délai, délai. C'est la première présence paternelle qu'il a dans sa vie depuis... depuis longtemps, donc tu comprends, il se rapproche de lui comme il peut. J'ose même pas imaginer les fanfics entre Reign et Régal, mais bon. Et encore, ça serait pas les pires. Hein. Parce que imaginer les fanfics entre Génie et Régal. Quelle horreur. Ah, quelle horreur, non, chacun sait qui. C'est un miel, si ça se trouve, il a 50 ans, Génis, mais on le sait pas. Hein. Bon, par contre, je suis censé aller où maintenant? Comment je suis arrivé ici, Imodge? oui, il faut que je retourne... là, ok. Où est mon bateau? C'est vrai que j'ai pas du tout exploré l'autre partie de la map ici. A priori, ça passerait. Je vais rejoindre le bateau et on s'arrêtera là pour cette vidéo.
Après on verra si on refait une vidéo derrière encore. Je veux dire, faut que j'essaye d'avoir un rythme, un bon rythme de vie, mais en vrai, je dois faire des journées de 10 heures en ce moment et après je dors 10 heures, donc c'est pas très bien non plus. Hop, comme ça on est sur le bâton incontrôlable, c'est parfait pour s'arrêter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour la suite de Tales of Symphonia. Et puis, c'est tout. A plus.